Bonjour, aujourd'hui je vous présente une sauce piri-piri maison. Pour les ingrédients, nous avons besoin d'une demi-tasse d'huile d'olive extra vierge, une demi-tasse de beurre salé fondu, un tiers de tasse de jus de citron, un quart de tasse de sambal oulek, une cuillerée à soupe de paprika fumé, une cuillerée à thé de graines de coriandre moulues ou de feuilles de coriandre, 3 gousses d'ail finement hachées, 3 tiges d'oignons verts finement hachées, 3 cuillerées à soupe de persil finement hachées, 2 feuilles de laurier en fins morceaux, 2 cuillerées à thé de gingembre râpé, 1 cuillerée à thé de sel et 1 demi-cuillerée à thé de poivre du moulin. Pour la technique, dans un bol, je vais mélanger tous les ingrédients que je vais laisser macérer au réfrigérateur pour environ 2 à 4 heures. Je commence par l'huile d'olive, ensuite le beurre fondu, le jus de citron, le sambal oulek, le paprika fumé, des graines de coriandre moulues, l'ail haché, l'oignon vert, le persil, les feuilles de laurier, le gingembre râpé, et pour terminer, le sel et le poivre. Et on mélange bien le tout et on place au réfrigérateur pour 2 à 4 heures. La sauce se conserve une semaine dans un pot maçon à couvercle au frigo. Voilà, la sauce piri-piri est faite. Ça va vous donner environ 450 ml de sauce que vous pouvez servir avec un poulet piri-piri par exemple. Alors on garde au frigo pour au moins 4 heures.